suis né après la guerre. Et après la guerre, la ruine était un terrain de jeu. Donc il y a eu une fascination pour la ruine abandonnée. Et ces ruines, je les ai photographiées dès que j'ai eu un appareil photo. J'aime tous les lieux abandonnés et même des lieux non historiques, des lieux industriels, des lieux quelconques. Ce que j'ai toujours aimé dans les lieux abandonnés, c'est un moment de solitude, un moment de poésie. Et puis aussi, je travaille dans ces lieux pour le moment d'intense liberté que je peux y trouver. La première chose, c'est percevoir l'espace. Je ne sais pas, une fenêtre, une lumière que je trouve belle. Après, je laisse agir le souvenir, la mémoire ou l'envie. Et puis, le dessin vient confirmer cette espèce de désir de faire quelque chose. Progressivement, je me suis rendu compte que le dessin était un élément important de la réflexion et de l'imaginaire, et en même temps de la connaissance du lieu, c'est-à-dire que là où se fait le dessin est véritablement l'atelier. Plus le dessin est sophistiqué, plus je comprends tous les mécanismes de l'occupation de l'espace, de comment va être la lumière et comment finalement va être la photographie.
Depuis le début, il y a le thème récurrent de la caméra obscura. Et la réalisation, la construction de ces cercles, c'est en fait une métaphore d'un objectif, mais cet objectif montre un espace mental, il ne montre pas un espace réel. L'architecture étant le support spatial de l'œuvre, c'était normal pour moi de la modifier. Ça est apparu en même temps que je réalisais des œuvres où l'architecture du lieu était vraiment étrange. Du coup, je me suis dit pourquoi pas utiliser cet incident pour commencer à construire d'autres incongruités. La peinture que je pratique, je la veux le plus simple possible, sans effet, sans qualité particulière. Elle doit être monochrome, elle doit être uniforme, et c'est uniquement la lumière qui organise les gradations différentes. Finalement, j'obtiens la meilleure qualité de peinture qui soit, puisque j'ai un espace monochrome qui est mouvant grâce à la lumière.
Quand je regarde l'espace, je vois physiquement quelque chose de l'ordre du spirituel. Est-ce que c'est seulement la lumière ou je ne sais pas. Dans tous ces lieux, il y a une sorte d'épiphanie, quelque chose qui apparaît et qui éblouit. Quand je réalise une œuvre, j'en fais une photo, mais en fait, ça me plairait de m'arrêter avant et de rester juste dans la transformation du lieu. Ce serait un acte artistique gratuit, plastique gratuit. La photo a figé le lieu dans l'œuvre. Le lieu, lui, continue son évolution ou sa dégradation. Et même si je reviens dans ce lieu plusieurs mois ou plusieurs années plus tard, je n'ai pas véritablement une nostalgie particulière. Pour moi, le temps s'est arrêté au moment du départ, du premier départ avec la photo.